Salut les fans de French Food. Alors ça vous aura pas échappé, le Covid a forcé les grands chefs à se réinventer complètement et je vous emmène à Avignon pour faire la connaissance de Florent Pietraval, un chef étoilé qui n'a pas hésité à s'associer avec un pizzaïolo pour se lancer dans la street food de luxe et ça cartonne. On a eu l'idée, donc, suite à la Covid, de faire quelque chose de pop-up, de sympa, de rassembler les gens, d'être dynamique. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là on s'est dit, on va ramener nos copains. Donc chaque semaine, j'ai un chef qui vient avec moi, on fait une collab ensemble. On goûte les recettes, on trouve les idées. Et après, du lundi au vendredi, tu peux venir chercher ton plat. Et ça marche plutôt bien, on est vraiment contents. On en profite pour dire salut à Sandro, hein, qui est le meilleur pizzaiolo de tout Avignon. Ciao à tous, bonjour à tous. Parce que c'est ça l'idée en fait, Florent, c'est que toi t'es quand même un chef, une étoile Michelin, t'as une étoile verte en plus aussi sur le développement durable. Mm-hmm. Comment on fait pour se lancer dans la street food et pas perdre son image de haute gastronomie? Bah, nous c'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux étages, donc on avait un côté vraiment plutôt street qui est dans le garage, et le gastro qui se trouve en haut, donc on voulait vraiment se dissocier des deux. Et puis après voilà, on est parti quand même sur des produits 100% local, qui sont de chez nous, avec notre image. Ça, c'était aussi vraiment important pour nous, quoi. Ça fait un moment qu'heureusement, avec Florent, on est amis. Lui, il vient souvent chez moi chercher des pizzas. Moi, je viens moins souvent à la Miranda parce que c'est pas le même prix. Mais quand j'ai l'occasion, je suis venu déjà plusieurs fois goûter sa cuisine que je trouve franchement géniale. Et voilà, street food direct, ça m'a connecté à lui. Et je dis, depuis le temps qu'on en parlait, voilà, comment faire un partenariat où on retrouve nos clients et ses clients. Et donc, c'est parti de là. Et t'as pas peur de te mettre en danger, justement, en travaillant avec quelqu'un qui fait des pizzas parce que parfois, tu vois, c'est quand même éloigné de l'univers des étoilés Michelin. Bien sûr, je comprends. Après, il faut aussi savoir s'adapter. On est en pleine période de Covid. Les restaurants sont fermés. Il faut faire quelque chose que les gens puissent manger dans la rue pendant le boulot. Après, on est dans le garage, on n'est pas dans l'étoilé, on est vraiment dans le côté mirage. Et c'est vraiment un univers qui est à part. Et les gens répondent présents, et ça, c'est le plus important. Alors justement, là, aujourd'hui au menu, je crois que votre collaboration, c'est un magnifique sandwich à la truffe et avec du pain fait dans le four de Sandro. Écoute, on va te regarder le réaliser, hein, tranquillement. Tu voilà, donc ça, là, en fait... On avait une tradition, c'est le coin de la plaque, en fait c'est à Rome, donc ils gardent vraiment le coin de la pizza. Ouais. Et donc c'est le coin de la pizza qu'on a coupé, on le farcit avec un petit peu de jus de cochon. Après dessus on met un sabayon au parmesan. Et voilà. Après il y a la touche étoilée. Et après on termine avec un petit peu d'amour et de générosité, quoi. Parce qu'on n'est pas non plus chez ce bois là. Non, là c'est sérieux, quoi. Donc on a quand même, Sandro tout à l'heure, il a découpé des énormes rondelles de truffes. Hein. C'est pas parfumé à l'huile de truffe à l'arôme artificiel. C'est de la vraie truffe locale du coin, parce qu'il y a beaucoup de truffes, hein, dans la région. Voilà, ouais. Bon, c'est l'un des... Voilà, voilà ce que ça donne. Et alors, Florent, combien est-ce qu'on vend ça du coup? Alors là, moi je le vends 20 euros. Voilà 20 euros à la Miranda, 25 avec un joli tiramisu. Et chaque semaine ça change. Et puis, je peux vous dire que vu la quantité de truffes qu'il met dedans, 20 euros, c'est cadeau. Hein. Vraiment, ce qui me plaît, c'est ce côté échange. Là, par exemple, cette semaine, Sandro, c'est vraiment un copain. Donc on a vraiment partagé, on a mélangé nos idées pour vraiment avoir quelque chose de gourmand, généreux et cool. Et chaque semaine, voilà, c'est des copains qui vont venir. Donc, c'est en cette période-là, une fois de plus, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Avec Sandro, on a deux univers différents. C'est vrai que lui, il a vraiment ce côté italien avec des belles recettes traditionnelles italiennes. Et nous mélanger tous les deux, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Et en plus, il y a une recette de pâtes qui est juste exceptionnelle, mais ça, c'est le secret. J'ai l'impression que la nouvelle génération des chefs, elle est quand même vachement plus dans le partage, non? Nous, c'est vrai qu'on est, on est plein de gens, on se connaît. Voilà, les cuisiniers, c'est une grande famille. Et on a toujours partagé, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment important. Zéro déchet, street food, zéro déchet, avec le petit pot. Ouais. Bon, Céline, pourquoi t'es venue chercher ton déjeuner ici? Je suis venue chercher mon déjeuner ici en mode zéro déchet parce que je suis la voisine de Comé Aroma, donc ma boutique est juste à côté. Et avec le chef Florent aussi, on se connaît bien aussi, on essaye de faire des partenariats le plus possible. Et là, on en monte un notamment et pour inciter les gens à venir avec leur contenant. Génial ça. Bon, il y a un chef étoilé qui fait des sandwichs avec un pizzaïolo, ça te choque pas?
Au contraire, c'est cool. C'est bien la street food. C'est chouette. Après, j'ai pas goûté. Je peux pas dire. Direct, ça met l'impression, quoi. On est comme ça. Ça cartonne vraiment, là. Ça fait la troisième semaine qu'on est en place. On commence à avoir nos clients sur le street. Et en même temps, on a une clientèle jeune qui venait pas forcément. En même temps, on a les gens un peu plus âgés qui viennent aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa pour nous. On est vraiment contents. Salut les gars. Merci beaucoup. Salut Sandro. Merci à vous. Et bravo parce que vous faites. C'est les chefs qui se réinventent pendant le Covid. Et on est là pour les soutenir et on les aime. Merci. Merci beaucoup.